Daniel, la route Poumon de Maïdo, elle est magnifique. Oui, fatigant mais magnifique. Eh oui, et là nous les suivons Guillaume précisément. Oui, et nous avons notre dallon Bertrand qui présente à nous sa petite charcuterie que il a ouvert ici sur le Guillaume. Il a de bons produits. Saucisse fumée, boucanée, saucisse poulet fumée dans son fumoir juste derrière son petit charcuterie. Ben nous fait un tour. Ben, j'en ai vu un petit peu à charcuterie. Ben oui, on y voit un petit peu, voir un petit peu ce qu'on est là pour proposer à nous. Ben Nicolas, on attrape un peu chariot, là, un peu la viande. Ben nous laissons la place, hein. Ouais, on ne gênera pas haut. Ben là, on est dans la salle de travail. Ah. Il m'appelle Maïdo Bertrand, il vient de Salazie, et il fait à peu près 3 ans, nous l'avons installé sur le Guillaume-Saint-Paul. Il fait à peu près 1 an, nous avons ouvert une charcuterie. Avant, on était habitué à faire saucisse sur Salazie. Nous la rapportons, on amène ça ici, sur le Guillaume, et mais nous, là, on reste dans la même appellation. Hein. Pour les clients, moi, les clients, ils retrouvent ça dedans. Là, nous, ça passe à la découpe pour les côtes boucanées. Donc ici, c'est notre maison, voilà. Voilà, petite maison. Donc ça, tous les matins, on arrive et on prépare des morceaux, de morceaux de viande, tout ça, pour placer en vitrine, tout ça, alors. Voilà. Mais comme avant, t'es habitué, tu cochons, vendre la famille, vendre les amis. Mais ben, dites pourquoi pas un jour pour vendre... Son propre business. Voilà. Ça, et ça va à la vente, là, dans la vitrine. Et le reste, pareil, ou ça va... Non, le reste, va mettre boucané. Au premier classe, déjà le prix est un petit peu plus cher. C'est pour ça le produit fini de prendre un petit peu plus cher. Au moins, la qualité de la viande est plus homogène. Et pour les saucisses, pour le boucané, tout ça. Par exemple, sur 100 kg de saucisses, du premier au 100 kg, la viande sera pareille même. Ah, première classe! Voilà, parce que dans le cochon, il y en a plusieurs catégories. Ah, oui, catégories, pour être homogène, tout ça. Ouais. Ils prennent la première classe, au moins. Ah, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on ouvre de saucisses, c'est un qualité la viande, voilà. De A jusqu'à Z alors. Voilà. Donc là, on attaque la pâte là, voilà. C'est ça? Et ça préparé pour faire fumer, ça j'ai scié, au moins comme ça, il reste à peu près entier. Là, quand j'ai mis ça pour préparer les épices. D'accord. Mais comme même pour le boucaner. Après, il me laisse un petit peu macérer, et après, il me met aller au fumoir. Alors, voilà. On va un peu combien à César là? Un petit peu la pâte. Voilà, maintenant, il faut aller un petit peu dessus. Ah, il faut frotter en même temps, là, d'accord. Là, on fait rentrer un peu le bon des épices dans la viande, là, d'accord. Ils sont bons. Bien, là. Ouais. Ils sont super bons. Donc ça, c'est notre boucané, alors. Voilà, pour mettre. Les vrais bonnes odeurs épices, ça, ils sont vraiment bons, hein. Voilà. Déjà, quand on sent les... Là, on va rien dedans, hein. Ah, oui. Ah, quoi, on a un peu mettre colorant. Ah, mais on va prendre des falais roses. Je vais prendre un petit peu avec mon papa, je suis tard comme ça. Vous connaissez, ou les Salazie, il arrive un petit fête, je suis un cochon, il fait un fils, il fait boucané, il fait un petit peu tout ça en douille. Donc c'est ça, on l'a aimé comme ça, mais après, je me dis, on va prendre ça, je suis tard comme ça. Moi. Et puis après, on a fait une formation aussi. Et puis, comme Bertrand a fait 1 an, là, dis-moi comme ça, il s'est ouvert un charcuterie. J'ai dit, non, essayez, et puis voilà, on a réussi un poil là, comme ça. Donc là, nous attaquons saucisse. Allez. Là, on va dans le foie. Ben combien de kilos on est dedans là? On a beaucoup, il y en a 60 kilos au foyer. 60 kilos de préparation là? Oui. Alors Alice, 60 kilos, combien de saucisses ils sortent? Faut voir combien déjà d'un kilo gagne combien de... 8, je prends pas un kilo. 8 saucisses, pourquoi un kilo 100, ouais. L'assaisonnement, c'est quoi comme assaisonnement? Ben le thym, poivre... La même base que tout à l'heure là? Thym, poivre, sel, ils mettent un petit peu de girofle. Ouais. Et un petit peu d'escalade. Pareil alors, d'accord, ok. C'est bien. Moi, je vais mettre le boudin noir, mais après ça comme ça, moi. C'est quoi le boudin noir, Daniel? Le boudin noir, ben on a boudin dedans. Ben longtemps t'es fait comme ça, t'es fait boudin, Et puis longtemps t'es maille pas, t'es trouvé un nom vite fait. Voilà, hein. Voilà. Voilà, c'est bon, boudin, voilà, boudin noir, le voilà. Mot. Voilà, au moins comme ça il y arrive un petit peu. On dirait qu'on a fait ça toute vie, Nicolas. Ah, est vrai qu'avec une machine, il ne pète pas le temps. Voilà. Hein. C'est un confort, hein. C'est, voilà, c'est un investissement, on mais... Saucisses, ouais. Pas rien. Un instant. Oui, il fait un bon temps, après comme Michel. Non, mais là, il ne sort pas, il y a de toute façon. Non, non. On
Les saucisses à l'Asie, elle est reconnue un petit peu par rapport. Longtemps, on avait la fête chou-fleur, on avait la fête chouchou. Donc, on avait des stands. Maintenant, tu es cochon, tu fais saucisses, boucanées. Et il y avait beaucoup de troisième âge, tes monts, tout ça. Sans douille, maintenant, tu y aimes. Maintenant, il dit, c'est ça l'Asie, il est bon, le goût, et puis le goût des épices, c'est ça. Donc, et puis, comme moi, on y travaille avec Bertrand. Donc, nous, on a fait ça, version du saucisse à l'Asie, nous, on a fait la recette à l'Asie. Donc, la noirie devant cette fumoir. Voilà. Donc. Là, mais sûrement, on va tirer un petit peu les nattes boucanées, les nattes saucisses, les andouillettes. Mais comment on reconnaît les andouillettes du saucisse, ça? Un petit peu plus longue. Un petit peu plus longue, ouais. D'accord. Et là, depuis combien de temps il y en a dans rien? Ça là? Puis hier soir. C'est boucané pays, là. Oh là là, elle est jolie. On reconnaît les standards. Mais elle est une dominante Meg quand même, hein, le boucané. Hein. Mais on peut la rader. Ouais. Mais trouve elle est pas trop. Voilà. Les non, non, Nena, en règle générale, on trouve qu'elle est bien Meg, etc. Moi, là, bien bonne comme ça là, moi. Qu'on s'en a retiré encore là, Nicolas? Là, nous sommes encore un petit peu boucané poulet, vous tirez. On l'a bien dit, boucané poulet. Ah, poulet. C'est boucané poulet, pas volaille, hein. D'accord. Ah bon, mais vous voilà. C'est quoi la différence dans. Ben voilà, elle va les mélanger dans le. Et puis c'est rien. Ah, pas rien, quand même, laisse à l'île aussi parce que sinon les gars me grossier. On veut goûter un petit morceau aussi. Même ça goûter, moi. Comment ça? Ah, vous êtes bon? Après. Vous êtes bon et pas bon? Ouais, envoyez devant parce que le client, les rois. Daniel, là, tiens, là, nous allons mettre le saucisse à fumer. Comme on a fait une tête toute. La première, mettre un petit peu de bois, la première, mettre un gros bois dessus. Comme ça, il y a un choc sur la faillite. D'accord. Ouais. Bon, là, elle est bon. Là, on refait à Mali ou là, alors? Ouais, allez, on refait à Mali. Là, c'est fait son travail. Là, c'est fait son travail. Et puis, on a une petite surprise, un petit fromage de tête. Puis, mon gros papa. Ouh là 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 là. Dites deux tranches ou deux, trois tranches? Voilà, deux, trois. Voilà, d'accord, ok. Bon appétit. Hein. Ouais. Dès qu'on met en bouche, ouais. On sent le piment. Ouais. Excellent. Bon, là, comme nous, on fait une goutte de fromage de tête, ben, ça va rester avec nous manger midi. Vous êtes sûr? Hein, il ne dérange pas? Non, non, il ne dérange pas. Il est à côté. Vous pouvez les guimes, les trappes de trois épices. Ah, on le fait le tikari. Bon, ben allez, c'est parti alors. Bon. Aujourd'hui, ben là, nous on a fait un petit trois salades. En fin de compte, comme le restaurant Maïdo il fait, nous on a essayé un coup. Et là, on a une andouillette, boucané porc et saucisse porc. Et après, on a fait un petit rougail boucané poulet. Nicolas, combien de monde a fait que manger de la midi? Ah, ben là, nous, au moins une dizaine de personnes. Mais c'est un régiment. Ah, un régiment, oui. Ah, elle a fait pour bande géant, hein. À moins midi, ouais. Hein. Bon, là, vous allez sec un peu saucisse, c'est ça? Ouais. Ça fait fouetter l'alimentier entier avant de faire les coupes. Allez, trop belle, trop belle, trop belle. Vous allez mettre un petit peu de l'huile dedans, moi, pour une fruit. Un petit peu. D'accord. Alors, on remet encore un petit peu là. Ouais, d'accord. Ouais. Mais, du côté gauche, ça t'est manqué un peu, les vrais. Moi, elle était un peu bancale. Il bouge pas. Le fait que l'huile a frit comme ça, il y en a quelqu'un à goûter ou pas? Non. Aïe aïe aïe. Non mais bon travail. En coupant on va goûter. Par contre si j'en pas mauvais ça. Comment ça n'est pas frit? Ben ça n'est pas frit, ça est bouilli. Mais bon. Oui, ça j'en douillette même pas frit. Après comme il a tout, il a réglé. Mais bon. Alors comment elle est? Ah ben elle commence à causer hein. T'as toujours les andouillettes moi alors. Allez, fais péter. Ah salut. Allez. T'as râle le boucané, j'ai. Mais bon. De toute façon c'est M. Maillot là, chien. Ah. Ça prend ça ou là? Ben pas dans une bonne moume. Hein? Bon ben. Saucisse même. D'accord. Voilà. Donc dans le 3 salades, vous mettez safran alors. Oui. Et là, de vous à dire, mais ils mettent safran dans le rougail et saucisse. Ouais. Aïe aïe aïe. Miel. Ouais. Il s'attaque le dans les poulets. Là, tu fais l'huile. Comme d'habitude, un petit peu. Voilà. Ok.
déjà le 3 salades. Ok. On va voir comment il est. Oh, ma vita est loin. Ah, costaud, le costaud. Ouh, baba. Le secret dans le fond de la marmita. Voilà. Et ben, les c'est joli, hein. Ça, tout ça pays, ça? Tout pays. Et là, ça pour l'odeur. Mmh, nous, 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 l'odeur. Et nous, ça, manger. Mmh. Bon appétit, ça, tout. Excellent. Mais comprends pourquoi tu manges bien là-haut.